Si m'pa di ou, franchement, ou pap koué. FBI fait un gros coup. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, li mette en bas corde yon femme kap founi base 400 marozo zam pour créer insécurité dans le pays d'Haïti. Et côté bagay la grave, c'est que, comment poué, pour yon moun nou grand pays comme ça aux États-Unis d'Amérique et puis pa wè ça pour le faire ces zam la pa acheter voye bay ti monsieur ça ou pa borisit femme ça gen gren nan de elle frères et sœurs c'est parti cause petit kounya la question k'a posé qui technique li utilisé pour le voye zam ça yo bay lan mo san jou qui côté au passé moun ki bon liye, m'bra l'explique ou, gentil proverbe créole la di, jou fey tombe nan de l'eau, se pa jou sa, li pourri. Nan moment la, Lambert toutouni, youn nan bra droit li ki tap si potel, vire do bali, et li estime, Lambert son moun dachire, li pap regle anyen. Donc, frères et sœurs bien-aimés, m'pral l'expliquer aux causes profondes qui fait gros tête ça, virer do baye animal politique là, gentil proverbe créole la dit, depuis ou rat commencé courir quitter bateau ou mettre connait gayon problème. Bagay yo vin pi grave bon côté par Ariel Henry. En passant, hier, li te font ti parler ensemble avec Abinadel, yo décidé et bay lan men, donc nan jou k'ap vini yo la, ap gayon envoyé yo ap voye en République Dominicaine pour vini gérer dossier étudiant yo. Bon, bagay la grave net, nou sonje dernièrement là, monsieur Ariel Henry te meton note de yo pour le di li même, li pa nan supporter gang. Oh oh, déclaration met André Michel. Vire bagay la net nan mil. En pile moun a posé tête yo question, ki sa ti konpè sa genye? Est-ce que c'est kek gros projecte ki nan stade Silvio Kato ki li men deyèl? M pral explique ou. Mwen evite ou rale chèz ou chita konfortablement. Fou ko zanmi e fò pa ou rentre la kay ou se yon plezir. M pral ba ou tout tripotay sa ou nan bon ti mamit, sans retirer, sans mete. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman nou ye? Encore yon lot fwa, m ap di merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce que like, merci parce que abonné et merci parce que partager vidéo ça fait un plaisir en pile. Encore une autre fois, sou fait tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis Pao Foucault. Nous t'ai chance présenter un petit compte et compte ça qui c'était nécessité pour développer Amérique. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté réponse là c'est esclavage. En partie cric crac pour nouveau compte que nous gagnons. Bouche manger tout manger mais elle pas dit tout. Pas hésiter quitter élément de réponse par là dans commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo à pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'ai qu'une annoncé, eh bien, FBI fait un gros coup de filet. Et coup de filet, ça, li mare yon femme, tant kou crabe. Femme, ça, qui rele Eliade Mika Tinus, nan Floride. Eh bien, dame, ça, li même, ça, le fait, c'est prendre le malin plaisir, acheter gros âmes, voye bal 400 maroz. Comment le pral fait passer ensemble à examen, ça? Pabli aux États-Unis d'Amérique, ou ka toujours gagner accès ou gen autorisation pour vendre zam parce que nous connaissons un gros pays, tout le monde ka acheter zam mette la kayo, mais yo pa accepté moun utiliser zam illégal. Mais moun sa ki achete zam nan, li pa gen accès pour mettre ni zam nan bateau ni nan avion voye vendre en Haïti, ça c'est pas pour lui parce que le pa gen autorisation ça. Et bien frères et sœurs bien-aimés, dame ça pour faire zam ça au rivé joindre l'ambo sans jou. Comment on fait? Tankou nous kon wè pil ban kès ghetto red ki kon ap soti aux États-Unis pour entrer dans pays d'Haïti. Eh bien, pil ban katouche yo, yo utilize ghetto red pou yo metel ladan et puis pou yo bouchel tepel pou yo voye l'ale. Mais pou zam yo parce qu'on connaît, zam yo tou yo pa ka plié entre dans bouteille ghetto red yo. Ça on kon fait, yo utilize bal pepe. Nous kon wè comment yo kon balé
bal pepe yo, gen yo mette nan doum, gen yo mette nan katon. Eh bien, monsieur dam yo pren se yo pren tan yo, parce que nous connaissons des âmes, nous capables de démonter yo, et puis ranger yo bout par bout, yo roule yo, roule yo, roule yo nan rad, yo fè bal pepe ensemble ak yo, et puis voye yo par Borisite. C'est parti cause piti nou. Donc, lem di nou, c'est vrai que monsieur sénateur, député, politicien, la bourgeoisie dans le pays d'Haïti vide en pile zam, mais diaspora tout le pas innocent dans dossier. Pile bande zam ça au cap entrer dans pays a parce que souvent yo même qui l'autre boa, yo fait commande, gayon qu'on a joine dans poudji, gayon qu'on a joine dans baf et cetera. Donc malheureusement tout zam ça au cap entrer par Borisite là ou pas j'entendé ni BLTS ni DCPJ ou pas j'entendé aucun suivi qui fait des boutons de fin prend zam yo après ça yo fait photo pile zam dans la guerre puis yo retlacer comme si c'est zam yo qui t'est monté bateau ou bien si c'est dans avion t'est passé gens ou t'est prend yo qui vient débarquer sous waf là mais ça pas fait sens donc ti monsieur dam yo gon j'en sais yo toi qui sinon yo cité dans dossier trafic zam et bien frères et sœurs bien-aimés yo emballé zam yo bien emballé dans bal pépé et puis sortant de ya yo pimpé yo par Borisite. Donc journée jodi a ou même qui dans diaspora qui a posé tête ou question qui lè w ap tourner dans pays d'Haïti à cause de insécurité ça moun ki bò koto la ak moun w ap plein fò veye parce que pa jam konnen. Donc gon série de mesdames tout frères et sœurs qui konn sur internet la gon jan w ap pran pour monsieur ça yo di ket mais ça k ap passe mesdames yo comme ça yon groupe gang ou fam yo gade nou yo prête pour yo manger moun pour yo et bien comme c'est les grand ri prend di fè n ap konn ki va les coco bek te gen ladan jounen jodi a nou capable wè fam yo pa présent nan fè action sou route fouye moun et cetera mais yo son gros pièce important nan base la parce yo à l'étranger yo a acheté zam voye pa Borisite nan base 400 maroz attends pou vale business ki gen nou grand pays sérieux comme ça ou pa ça pou faire ces zam pou acheter pou voye pa Borisite. Et bien frères et sœurs bien-aimés d'après information qui arrivé joine nous c'est que dam sa n'ap gade la et bien li ta moun nan zone Gedon toujours nan commune quoi des bouquets. Donc et nous capable garder figuil bien, garder ziol bien, le semblon bon beau hein et c'est pas blague frères et sœurs depuis sous figui moun nan ou après que et pas fino moun toi normal et pas moun souwe ou pral trop entre nos conversations ensemble akli parce que figuil marqué 20 juin 4 avril et j'en a garder la gueule c'est pas zam seulement nous li voye nan basket ça ba ouzo li voye crème tout frères et sœurs non li voye crème elle gon ti ressemblance à la mort sans jour ma kon di noue ça sauf que j'ai pu caler que j'ai la mort sans jour ma j'aime connait comme ça fait inex c'est mystère donc nous même ti jeunes garçons qui dans pays d'Haïti cap chercher diaspora matin midi soir ouais ça me la cap chercher femme cap débarquer par Borisite faut nous veiller puis faut prend pile en pile précaution parce que ou ka allant na fa en femme et puis femme dans ces gros madame bandi li dans pays d'Haïti et souvent bandi yo qui là madame yo pas en Haïti. Ouais madame yo pou m bien di nou madame ke yo renman pil la pa en Haïti. Oui, souvent yo pa en Haïti, bel ti boubout yo ensemble avec petit yo si yo te gen tan marié, moun sa yo pa jwenn yo en Haïti, yo gen tan kite peyi a. Donc, en tout cas, lè n'ap cheke sou internet la, lè nou wè moun ap pase nou pa kont moun, pa rentre sou moun. Donc nou même ki nan diaspora tout, fè très attention parce que nou konnen lè mangou ap vole nou pa kont mal, nou pa kont femel. Si mesdames yo tout ki an Haïti, n'a pa la on nèg sou internet, la ba nou kòb et cetera, li dou li se diaspora, mais lè dan Haïti ou pa kont ki sal t'ap regle, li dou la vin an Haïti tout, pran précaution parce qu'on pa kont nan ki bazi pou ale. Parce ou pa ka fè moun konfians pendant dernier moment yo la. Et nou kapabwe, kou yo pran 17 Amerike yo ki sak passe, FBI ap fè recherche, sotan di al getan pose sele sou toi, el getan met youn an bakod. Donc, pou an pil moun, si tan san tan, yo te pran kek Amerike nan peyi d'Haïti, donc sotan di al, yo tap jwenn tout moun kap finance zam yo. Donc, toi moun sa yo pran mam dou sa yo se ti pisket nou kon pisket ti pisket moun sa yo yo pa tellement gen pouvoir vraiment mais gros toro ki campé des base la gros chef gros autorité ki te monté base la li important pour nous joindre parce que monsieur sa yo toujours dans pays a pété boîte et non seulement ça tout yo a proposé la nation yo a proposé au plan sécurité tandis que yo même tout yo fait partie des gangs en tout cas n'a prêté tant parce que nous connaît dans pays d'Haïti yon jou fok abra
l'âme 17 ans c'est avec dossier gang ça moun k'ap acheté zam mais bien que l'état lui-même était déjà démissionné et l'état tout dans dossier gang là franchement nous pas ko konnen qui s'en a réglé face avec situation ça mais FBI commencé frapper nous espérer le continuer pour jusqu'à ce qu'elle prend moun yo donc pour que li capable cerner joindre identifier tout moun kap financer bandi zam nan peyi ak bal ça c'est très important frère c'est ce bien-aimé Jean que n'était annoncé ou eh bien Lambert lui-même li tout tourné bagay yo compliqué bagay yo red dans la république Jean te dit nous dès pour nous bateau ouais tout rat commence à péter courir quitter bateau a ou met konnen gon problème bagay la pas facile bagay yo compliqué eh bien nous gagnons met Hannibal Kofi qui c'est directeur cabinet Joseph Lambert monsieur remet démission à président Sénat donc dans une correspondance li présenté hier mercredi 3 novembre démission comme directeur cabinet Joseph Lambert comme étant donné dans moment là Joseph Lambert lui-même c'est petit plaisir la prend en République dominicaine dans petit club parce que ça fait longtemps il s'est pas prend petit plaisir ça yo donc ça qui prend le passé monsieur déclaré il reconnaître avec Lambert pas rien qu'a bouger donc Lambert son monde achiré frères et sœurs pas rien li pral tirer pas rien pral fait vrai avec Lambert donc li même en tant que directeur cabinet li sentil pap karete toi ou kole ensemble ak monsieur l'obligé la gepiel parce que li vle monter propre structure politique pal et structure politique li vle créer li rele la défense structure politique ça qui c'est la défense ap gen pou pote nouvelle offre pour pays ya et rendre pays ya libre pour le proposer ak agi a la traka pou la avec haïti papa tout moun ap et pote tout moun gon nouvelle offre pour le pays pour le libre pour le proposer pour l'agir on a traqué papa de kounya là frères et sœurs Lambert pas régler rien qui sérieux mais c'est obligé la gepiel pour la former propre structure politique pas donc moi pas connait qui va les structures qu'a former dans pays ça parce que dès pour arriver un moment où ouais monsieur ça you n'a détaché alors tout mat connait gon problème bagaille la grave pour tout bon pas gen zo encore pas gagner crabe la vie en sirique ka pou la avec haïti papa crabe la qui vire en sirik sou c'est comme ça pou wè rat nan bateau a pété courir baga la compliqué ba yo difficile donc avec démarche politique ça li pap ka rete en balod Lambert était directeur cabinet donc li obligé présenter démission donc bon côté pas président sénat li accepte démission hein? Non seulement ça tout c'est vrai que c'est un grand vide, mais mettre Kofi qui construit un projet politique qui promet, donc moi souhaite le succès et zami tay nou a toujours été. Ces déclarations ça, animal politique l'a fait sous Twitter. Mais là, regardez Lambert, oui, c'est un bon animal, bon Dieu papa. Alors, très gavou la avec Haïti, papa, bagay yo compliqué. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qu'a passé dans Grand Ravine, village des dieux, Matissan, pas gen bouche pour parler. Non, pas gen bouche pour parler. Hier, monsieur ça yo fait toute yon journée à pété balle. Ezekiel, Iska, Izo, Tilapli, etc. Monsieur ça au fond journée à vide balle. Non, franchement frères et sœurs bien-aimés, des fois qu'on a posé tête moi question. Est-ce que mon troisième non? Après un moment il a attendre musique parce que musique là trop fret pour yo, c'est parce que ça c'est plus bon musique que attendez. Yo vinn habitué ensemble avec son bal là mon Matisse. Pour monsieur au fond journée me dit nous a pété bal. Là au fin fait journée à pété bal, yo pas jamais fatigué. Bal yo pas jamais fini. Donc expliquez-moi qui ça passé. Qui sak bay ti monsieur sa au pouvoir comme ça et wap gade machine k'ap passe sous route là moto k'ap passe sous route là ça son l'autre catastrophe encore
Bon, sou kwa menti, an tande koman bal, tap pete en bas. E son sa wap tande nan zore yu wa, se pa nèpòt vye ti zam bouda ba. E pa nèpòt vye ti 12, 45, etc. Se gwo zam fan fwa, mais si wap tire. Paske lò tande gren katouche la, soti se bou, y fe. Y pa fe pete pete. Ay, rans. Donc, imagine o gren katouche sa tombe non mika, y pa kapa tombe, an tande sa. Let you feel, let you feel. Mon vie fait net. Vous voyez bien. Gile bagay, franchement, frères et sœurs bien-aimés, pays d'Haïti pas dans la guerre puis c'est comme ça pour bagay yo passer. Ba yo compliqué, extrêmement compliqué pourtant des gen autorité dans le pays. Bon, bagay yo vinn pitris toujours parce que l'op gade comment ti monsieur yo police en face là yo gade dans trou, gen policier là oui. Parce que l'op en zone ça, c'est pas n'importe moun pour ta mettre ti policier simple là-dedans. C'est gros sniper pour ta mettre dans bloc ça. Devant policier il était en côté le caché l'a regarder comment bandi en campé devant barrière et puis moto qui a passé le relais moto yo campé fouiller yo prend sac sous yo en suivant ensemble ouais moto ça nèg yo prend moun ki de sous moto a coller avec nan là couler avec dans la ouais même yo fin fouiller nèg a metti dans la dio Ali koul na fè ça là Ali nèg yo non avant ouais nèg yo déjà yo prend moto là koul na yo rentre nèg moto après ça la gueule yo fouiller la gueule Ouais. Comment après la guerre ouais. Bon bye journal. Ouais comment la guerre ouais ça la guerre fait là. Mais quand on aller ouais ça la guerre fait mais. Ouais, est-ce que ouais. Est-ce que déjà non figure dans la guerre fait ça ou là. Non figure dans la faire lui. Mais tu pas le coup tout fusé au Dieu. Ouais lui. Ouais. Les deux barrières, ça, ils collent à Palmyra. Les barrières, ils ont fait ça. Ils collent à Palmyra, chef. Réaction, les gars. Ils ont arrêté tout le monde qui a fait. Mais après, les motos encore. Tout le monde qui a passé, les motos. Hein? Réaction, les gars. Collé à Palmyra, barrières, ça. Regardez devant là pour qu'il y ait juste en l'air. Et coller devant abîme là, coller devant abîme là. Tout moto qui passe pour moto là, ouais. Qu'est-ce que fait? Nèg vi la aide Dieu qui fait action ça fait. Nèg vi la aide Dieu. Et ça avec pas voler à monsieur, et ça on a dit pas voler à. Ça on a fait là comment relé monsieur. Comment ça on a fait relé? Moto seul m'a campé. On a fait comment le monsieur. Voilà, c'est comme sa situation bagayo extrêmement compliqué. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pour journée aujourd'hui, j'en ai regardé image ça. Ça c'est un pasteur ça le fait. Li même en tant que berger, li prend toute fidèle li yo pour le faire manger zèb parce que fidèle yo c'est brebis. Est-ce qu'on a des comme dans la Bible, il dit pasteur à ses bergers, eh bien fidèle yo supposé manger zèb. Chaque les culte pral commencer, eh bien il y a 30 minutes pour fidèle yo
promener dans la cour parce que dans la cour a gagné pile zèb qui a poussé pour fidèle yo baisser marcher sous quatre pattes pour que yo capable manger zèb pour yo sanctifier avant que yo rentre dans l'église là. En tout cas, bagay yo extrêmement compliqué tout côté. Mode de pasteur ça ou franchement m'a demandé côté cervelle yo et donc comme étant donné tout ça qu'on passe bon ici pas tellement différent parce que l'autre l'a guéri sida avec des graines pinaises l'a lavé figuil by l'autre boit de l'eau etc. Donc l'évangile ça franchement frères et sœurs m'a posé tête mon question est-ce que moi même des faire bon en tout cas ligne ça pas pour moi dégager nous quoi dans ça nous doit quoi Jean Kante annoncé ou eh bien situation qui t'a pas développé entre Haïti ensemble avec République Dominicaine hier soir premier ministre Ariel Henry est rentré en contact ensemble avec président dominicain Luis Abinadel pour gérer dossier ça donc nan jou k'ap vini yo la ap genyon envoyé spécial k'ap sorti dans pays d'Haïti pour rencontrer ensemble avec président dominicain pour résoudre problème ça chay saute sous tête li tombe sous épaule frères et sœurs bien-aimés Ariel pas gen lèt encore donc bagay la vin mal viré pour lui entre lui-même ensemble avec SDP donc secteur démocratique et populaire lui-même li exige formation yon nouveau gouvernement encore puis dans sa lié à là li estime que yo échoué SDP a salié volonté premier ministre Ariel Henry et mandé pour former yon nouveau gouvernement avec accord 11 septembre là pour le débarrasser de Jovenel Lisio ensemble avec Marte list yo. A la traka pou la vek a ite papa. SDP a li même sa le fait, li mande presse pour que premier ministre Ariel Henry forme yon nouveau gouvernement. Li fait appel nan yon communiqué que peuple a rejeté gouvernement ki la. Bon, ki peuple mes amis, bon Dieu papa. Que peuple rejeté gouvernement ki la, gouvernement en place la, parce que yon pa ge assez de capacité pour faire face ensemble avec problème. Sécurité avec distribution produits pétroliers. Donc jusqu'à présent gen membre dans gouvernement ça qui c'est PHTK Matelis Jovenelis qui là qui a continué qui continue à alimenter ou bien j'en te capable dire financer groupe criminel dans pays et SDP a lui-même li salué remplaçant et Léon Charles en tête la police là qui c'est France LB yon policier carrière donc li mande pressé pour Ariel Henry réformer gouvernement puisque ak moun sa yo la prole a et bien moun sa yo continue à financer gang donc li même li pa ka pran sant moun sa yo nan gouvernement faut que li voye yo aller faut que li monte yon lot gouvernement a la traka pou la vekaite monte gouvernement à gauche descend gouvernement monton lot 31 même temps pa jam ganyen ki a fait Haïti frères et sœurs c'est la république des coquins puisque moun sa yo toujours dit nous c'est pas rien qui sérieux y a géré dans pays a nous songe dans date qui était 11 septembre là et bien forme dit nous gain plus passé 683 organisations ak société civile là et politique qui était signé accord 11 septembre là donc jusqu'à présent pièce accord pour qu'on ka mette en application malgré le fin signé Haïti la république des coquins qui vivra verra mais qui mourra kakara si c'est sous moun sa on a compté nous fait carré tomber dans tente n'a fait place à voix de l'Amérique pour cette information nationale et internationale rendez-vous cassé dans un petit temps qui pas trop long Dans une interview exclusive avec La Voix de l'Amérique, ministre Affaires étrangères haïtien Claude Joseph fait qu'on est optimiste de ce qu'il est capable de résoudre de façon positive qu'à côté bandits kidnappés 17 missionnaires étrangers. Le gouvernement est très préoccupé, il manifeste ses préoccupations. Mais ce qui est plus important, c'est qu'au niveau du CPJ, moi connais gagner en collaboration étroite avec FBI. Donc c'est pour le moment c'est tout ça mon capable de sur question ça et moi connais nous gagnons de très 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 bons techniciens dans DCPJ moi très optimiste moi-même que avec collaboration FBI nous capable de nous dénouement heureux à situation ça
N'a rappelé que gang 400 Marozo a kidnappé 16 missionnaires américains ak yon canadien qui se membre mission chrétien Christian Aid Ministries 16 octobre passé a. Yo mande yon rançon 17 millions dollars pour libération yo. Ministre Joseph Dinou l'a visité Washington dans cadre une série rencontre avec gros responsables américains yo. Jeudi a moi rencontré avec Brian Nichols. C'est toujours croisade pour permettre que le président Jeune Justice mande collaboration à tout pays, parce que encore l'autre fois, c'est un crime à, qui a une dimension transnationale. Donc, collaboration en pays tant qu'aux États-Unis, dans le cadre d'enquête-là, est extrêmement important. Déjà, je vous remercie parce que nous demandons pour te permettre que FBI participe, sauver l'enquête-là. Donc, nous te répondre positivement. Donc, nous avons continué à demander collaboration pour permettre que de l'autre pays, tant que Colombie et Jamaïque, collaborer, n'est-ce pas, pour permettre que nous sommes capables de joindre par la sauce, pour le tourner dans le pays, pour le faire face avec la justice. S'il est innocent, et je pense que la justice pays m'a quitté, que les tourner dans la Kaili, là, le juif tout droit, mais s'il participe à un crime, il faut que les payer pour ça le faire. Je vais rencontrer avec de l'autre monde dans le département d'État très bientôt. M'a rencontré avec des officiels au niveau de l'OEA. Moi, j'ai eu de plusieurs autres rencontres à Washington que moi participe. Alors, j'ai deux dimensions dans la rencontre. Ça, et première dimension, j'aime dire là, c'est une croisade pour justice, justice pour le président Jovenel Moïse. Mais deuxième dimension, je dis, c'est que y a lieu pour nous autres Haïtiens de nous mettre ensemble, n'est-ce pas? Pour nous capables de marcher, pour nous capables de permettre que le pays avance. C'est le moment de l'unité. Sous-secrétaire d'État américain pour les affaires hémisphères occidentales, Brian Nichols, publie un message sous compte officiel Twitter, côté lui exprimer qu'est-ce qu'il pour la situation missionnaire en Haïti. Sous le dossier assassinat président Jovenel Moïse, le ministre Joseph dit tout responsable doit faire face à la justice. Pas gain aucun monde qui est au-dessus de la loi. Premier ministre, ministre des Affaires étrangères là, ou bien quel que soit ministre qui est dans le gouvernement. Donc, nous gagnons une responsabilité pour nous répondre à n'importe ça que tu es capable de reprocher nous et devant la justice. Et pas gagner, nous sommes capables de dire, de donner nous même qui montrent que le premier ministre lui-même dit pas gain volonté ça pour le répondre. Ouais, ça me capable de dire. C'est que en même temps faut nous éviter toujours utiliser ce cas et on est capable de dire l'assassinat du président Jovenel Moïse pour nous capable dire faire politique ou bien et pas faire politique ou bien entrer dans une dynamique moun sa pa moun pa m'attaquer moun sa c'est moun pa m'pa attaquer. Donc il est extrêmement important pour justice ça les conduit enquête le conduit de façon impartial pour le président Jovenel Moïse capable de justice. Monsieur le ministre, on a le secret des dieux et accord 11 septembre jusqu'à présent pour que ça relève dans le pays la caille atterri. Et côté problème. Écoutez, moi même pas dit que accord pas atterri. Et ça moi même pas dit c'est que situation à Haïti a son situation complexe. Le premier ministre Li Bailer et tout monde ça, c'est un homme patient. Et moi, je crois que les situations à pas aborder ou pas qu'à aborder dans tête chaud. C'est ça qui fait penser que cette question d'accord politique lie à un dénouement qui est heureux, à la mesure où le Premier ministre prend temps avant que lie aller vers la formation d'un gouvernement. Ministre des Affaires étrangères haïtien, Claude Joseph, tu es parlé avec Jacqueline Bélizère dans le studio La Voix de l'Amérique, dans Washington. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique. Washington. Merci Sandra Lemaire. On dit que vous êtes capable de suivre l'intégralité de l'interview sur toute plateforme La Voix de l'Amérique un petit peu plus tard, peut-être vers 5-6 heures. Et puis, il faut que nous disions tout pendant l'interview, ça nous a abordé dossier leader G9 là, en parlant de Jimmy Cherizier alias Barbecue, qui lui-même n'est pas dans le cachet parce que aujourd'hui, il y a une conférence pour la presse, côté que il partageait une lettre ouverte avec la communauté nationale et internationale. Entendez. Prince, le 3 novembre 2021. Lettre
ouverte à l'opinion nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, citoyens, citoyennes d'Haïti et du monde entier, conscients du phénomène d'appauvrissement continuel et progressif affectant principalement les classes pauvres, conscients de l'urgence nécessaire de libérer la République d'Haïti, placée sous la férule de la bourgeoisie comprador, parasite, mercenaire et réactionnaire. Conscient que le pays n'ira nulle part sans une vraie révolution apte à jeter les bases d'un nouveau départ à l'instar du Rwanda. Conscient que le gouvernement actuel, ayant à sa tête le Premier ministre M. Ariel Henry, ne fait qu'envenimer ou empirer la situation du pays au lieu d'apporter des améliorations utiles. Se référant donc à ces quelques considérations, nous, leaders de force révolutionnaire Genève en famille et alliés Mayenoun Mayentout, voulons un changement draconien du système politique haïtien, pouvant garantir l'existence d'un vrai État démocratique et d'un réel État de droit et prospère, à l'instar de ses pays amis, notamment les États-Unis d'Amérique. C'était leader Genève, Jimmy Cherizier alias Barbecue. N'a pas rappelé que ancien chef parquet tribunal civil première instance Port-au-Prince là et mettait France Louis Juste et bel décerné un mandat contre Barbecue avec l'autre membre groupe Genève yo après attaque contre membre gouvernement 17 octobre qui côté t'a pral fait yon offrande florale sous pont rouge et ben yon titan après mettre Louis Juste t'a pral perdu job li. Actualité ici aux États-Unis, hier mardi 2 novembre 2021, c'était une journée électorale ici aux États-Unis, une journée qui était grand pile en jeu, une élection tout qui était participation et américain d'origine haïtienne. Nous parlons d'abord dans New York avec journaliste Valério Saint-Louis. Merci Jacqueline Bélizière. En effet, journée hier a ton gros journée élection sur tout territoire national pays américain, mais particulièrement pour l'État New York, côté qu'on joint nana l'histoire ville ça, c'est pour deuxième fois un noir américain arrivé gagner élection au niveau mairie New York là. Et ça son gros causé. Eric Adams, c'est nouveau maire ville New York là. Pour élection municipalité et collectivité territoriale yo, nous rejoignent plusieurs haïtiens noirs américains qui ont même tap courir dans différentes positions, yo arrivé gagner élection ça yo. Nous rejoignent Cassandra Johnson, qui lui-même gagné pour poste juge dans le 4e district dans le quartier Queens, New York. Nous défendons un petit groupe de Brooklyn dans le quartier général, candidat Rita Joseph, qui arrive à gagner l'élection lui-même tout. C'était belle fête, belle célébration. C'était que Rita Joseph, un professeur, une maman, quatre petits garçons, un activiste dans la communauté qui aide en pile artistes, musiciens haïtiens, arrivé à gagner comme council woman dans le 40e district là, dans la zone Brooklyn. Ah, nervous, excited. Tout travail qui vient pour faire dans le district ça, en plus de travail, je suis excited, je suis content tout, parce que mon yo quoi l'en assez que nous vivons jusque là. So, the primary c'était un exemple que mon yo parlait for bold and progressive ways to move the district forward. Rita Joseph t'a célébré victoire li, elle t'a profité reconnaître que gen quelques artistes et promoteurs musique haïtien qui ont même t'a aidé dans la campagne. Artistes t'a aidé Gazman, Richie, Tijo, Richard Yvain, tout HMI Nation, tout est capable. Nous devons poursuivre, nous allons rencontrer ensemble avec Mercedes Narcisse qui a célébré fête victoire, côté que le gagné dans la zone 46e district dans Brooklyn, comme Council Woman. Mercedes Narcisse, une haïtienne américaine, une femme Saint-Marc, maman Katimoun, une infirmière, qui a ferraillé depuis longtemps dans la communauté haïtienne, et finalement, l'arrivée gagne l'élection comme Council Woman dans le 46e district dans le quartier Brooklyn, New York. I feel happy, I feel humble, I feel like this is an opportunity for me to do what I love to do is to serve the community. I was added in 2013 for the same seat. Now I have the opportunity. And honestly, it feels great. Len gade nou wè ke citoyen haïtien américain ka viv nan l'état New York yo trè intéressé nan politik, men san constate, c'est plus femme ki arrive gen élection yo ane sa nan ville New York la. Oui, nous pouvons pouvoir. Ah, quand peut-être femme yo supporte yo lè pou yo pou pòs yo. And that's it.
message pour monsieur, c'est pour travailler avec nous, pour nous travailler, pour nous faire ça, nous supposons faire. So, moi, qu'on est grand pile bon monsieur de Yoa qui voulait supporter les femmes. So, let's do it together. So, advance forward pour nous faire bagarre, travail, nous supposons faire dans la communauté. Côté de Campéa là, son bureau de vote hier, pas de côté pour mettre monde, l'élection était bien passée. Depuis New York, pour la Voix de l'Amérique, Valerio Saint-Louis. Merci Valerio, nous avons quitté New York, nous prenons dans Floride, puis précisément dans Miami, avec collaborateur nous, Serge Michel. Élection municipale, élection primaire déroulée dans le sud de Floride, entre autres dans Miami-Dade et Broward, mardi 2 novembre. Participation populaire était faible, en bayon l'applique a tombé toute journée dans la zone nord. Esteban Steve Bovo, passé comme président Ville Hialeah, tout collé avec Miami. Dan Gelber, remporté course pour magistrat Miami Beach. Francis Suarez, qui a posté bien facile comme magistrat Ville Miami, avec 78,61%. Haïtienne américaine Marie-France Exantus, est candidat pour poste ça à tout, elle sortit à 4% voix. Dans le district 5, Ville Miami, c'est noire américaine Christine King, qui passait comme commissionnaire. Trois Haïtiens américains dans la course là, tout c'est Stéphanie Thomas, Zico Fremont avec François Alexandre. François Alexandre, t'es parlé avec nous. Bon après-midi, Voix de l'Amérique, François Alexandre là, posé candidat pour le district 5 là. Jeudi à ce jour que nous attendons, depuis un an de ça, nous avons planifié pour ça, pour nous venir commissionnaire du district 5 là. Et franchement, jeudi à, nous sommes bon et content. Pour qui ça? Parce que nous l'avons quartier PAM, nous l'avons Haïti, nous l'avons béton. Et comment elle est, pas même malheureusement, non? I'm lucky que nous étions dans la même rue que nous avons pris 5. So, nous pris 5 là même là, là où elle représente François. Dans Broward, dans le district 20, tu gagnes élection primaire côté magistrat comté, démocrate Dale Holness, a mené à qui on t'y avance tout de suite. 12 voix sous haïtienne américaine Sheila Sherfilus McCormick. Dans la course pour remplacer député Alcee Hastings, qui mourit ça va gagner longtemps. A Yemadian, c'est Sherfilus McCormick qui t'a mené à 31 voix différence devant Dale Holness. Dans le camp républicain, Jason Mariner gagne élection primaire à 58% comparé à 42% voix pour Greg Musselwhite. District 20, Teguento, haïtien américain Emmanuel Morel, dans Koussa, pour place là dans le congrès. Et il fait 1% dans voix. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge. Donc, tu as élection un peu partout sur le territoire américain et élection dans Virginie avec New Jersey et côté élection pour gouverneur. Précision avec Lionel Desmarais qui va faire un coup d'œil tout sous élection municipale dans Boston. Série élection déroulée aux États-Unis mardi 2 novembre. Non, Tekembe attention nation dans un moment pays apparaît pour élection mi-mandat année prochaine. Non, qui a décidé leadership là dans deux chambres congrès, Sénat avec Chambre des représentants. Dans élection pour gouverneur qui déroulée dans l'État Virginie, Glenn Youngkin qui c'est un nouveau venu dans politique. Remporter la victoire sous Terry McAuliffe, un ancien gouverneur qui était voulu aller dans l'autre mandat après une pause 4 ans, parce que loi Virginie empêchait un monde de passer deux mandats l'un après l'autre comme gouverneur. Résultat, c'est 51% pour Youngkin et puis 48% pour McAuliffe. Résultat, ça a attiré l'attention sur un changement dans l'appui populaire des partis gagnés dans Virginie. Côté, pendant plusieurs mois avant déroulement élection, hein, M. McAuliffe s'est mené dans son sondage d'opinion yo, avec une grosse avance devant M. Youngkin. Cependant, avantage ça, pas de suspendre descendre au fur et à mesure taux popularité président Joe Biden t'a baissé dans le niveau national. Quant à pour l'État New Jersey, dans le moment où nous avons enregistré le reportage, ça, résultat était trop serré, soit environ 50% contre environ 50% entre gouverneur en place là, Phil Murphy, avec adversaire républicain non, Jack Ciattarelli. Si M. Murphy t'arrivait à remporter la victoire, l'État tourné premier gouverneur État New Jersey dans 45 ans qui remportait deux mandats affilés, deux mandats l'un après l'autre. Quant à pour Ville New York, côté nous jouons en pile électeur d'origine haïtienne, tant que collègue nous Valerio Saint-Louis dit nous ça, un noir américain, ancien capitaine de la police Eric Adams, tourné deuxième moun noir dans toute histoire ville là qui remportait élection pour magistrat après David Jenkins qui était mort ça pas longtemps.
Actuellement, dans le Congrès américain, les démocrates ont gagné une majorité tout mince dans le Sénat avec la Chambre des députés. Et si vous tapez du contrôle, une ou bien tous les deux chambres, dans l'élection mi-mandat pour le dérouler dans le mois de novembre 2022, ça t'apprend les plus difficiles pour le président Joe Biden réaliser le programme li gagné sous agenda législatif. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat. Donc c'était go élection ici aux États-Unis hier et président Joe Biden te prend la parole hier soir pour dire que eh bien, pays a besoin d'action. Et qu'on y a pendant nous aux États-Unis, Nabdou, que la Voix de l'Amérique est entrée en contact avec le ministère de Défense des États-Unis, donc Pentagone, pour nous te connaître. Question pour qu'on ait, est-ce que vraiment les États-Unis ont des troupes militaires en Haïti actuellement? Eh bien, Pentagone dit non, son rumeur, il n'y a pas de troupes militaires en Haïti. Nous connaissons que y a des spécialistes avec FBI qui en Haïti pour sous question enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mettez-moi sous nom. Mettez pas comme ça, masse moi à poté jour. Comme on ne pas jouer ou toujours sous la Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington d'ici. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Yon l'autre point cap dominer l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est question gaz là. Il y a toujours un problème dans la distribution de produits pétroliers pour, et entre autres, moto, machines privées, machines publiques, bien que il y ait gaz dans le pompio. Massia Dovilme, depuis Port-au-Prince. Malgré les efforts gouvernement déployés pour répondre à la rareté gaz là, citoyens continuent à monter ma suifé pour jouer un produit ça. Ça nous répétait après constant fait dans une station gaz dans la capitale là, péripétie si là qui a cherché à ravitailler. Quelques consommateurs qui étaient d'accord parler dans le micro avec devant caméra nous, dénoncer complicité force de l'audio dans la machine qui a fait avec gaz là. Depuis hier, ma machine de gaz, je suis au Canada. Les policiers sont venus, ils ont proposé de mettre l'ordre, je suis allé plein gallon gaz, après ça, ils ont viré. Je dis à me venir là depuis ce système là. Depuis hier, moi, en sous la rue, dans pop, en bas lumière, nous commençons à faire. Nous tous venus nous aligner nous pour prendre ce gaz. Policiers venus, ils ont crasé l'inan, ils ont fait une machine faire back sur l'inan, tout le monde gagné. Ils ont occupé chaque pompier, ils ont tourné propice, on a fait plein même d'ailleurs. Ils n'ont pas qu'à faire le gaz. Il y a plein pour madame, il y a plein pour tête. Il y a plein pour les amis, leur besoin de tout ça, c'est normal. Même quand ils prennent, ils vendent là derrière pour $500. Donc, cette situation, nous avec les policiers qui étaient là pour servir, maintenant qu'on a eux-mêmes, tout pis le peuple là, ils oublient les missions. Le peuple là aligné normalement, ils ont levé bonheur, ils ont poligné. Donc, les policiers ont un gros point. Moi, je me suis dit que ça va dans deux fois. Il y a étalé là, c'est sur la ligne sortie là. Actuellement, là même, quand ils prennent là, mes machines sont derrière là, ils ont fait gaz. Les policiers seulement, c'est le problème. Depuis qu'ils ont commencé à faire gaz, la Voix de l'Amérique te téléphoné yon autorité dans l'institution police là sous dossier ça. Malheureusement, téléphone ni sonné sans réponse. Nous devons dire, rate gaz pays a connaît depuis quelques mois, paraît sans conséquence sous condition la vie citoyen yo, qui a fait face à la nécessité de l'eau potable. Quand tu as des camions de l'eau, tu as porté de l'eau, nous achetons de l'eau, mais quand tu as pas gagné même, quand tu as fait gaz, tu n'as pas gagné, la machine va monter là, on n'a pas monté, nous n'avons pas gagné. Et nous, ça n'a pas c'est là, problème. Sachet de l'eau à Kounial de $10 auparavant, passé à $12. Pour y avoir beaucoup de sachets de l'eau, il faut payer $30. Bon, qui de l'eau, on ne peut pas même porter le bon. Nous, qui fait nous, quand je vois une bonne ici, c'est pas la diligence par nous. En tant que peuple qui vive, nous cherchons des contacts, nous jouons un camion de l'eau. Nous, obligés de payer un camion de l'eau à $1000. Et pour nous distribuer de l'eau, nous, obligés de payer $5. Qui veut dire, bon, nous devons dire, n'est pas même en bas, nous et nous-mêmes, que nous devons arriver juste à Salomon et un sachet de l'eau là. Non, bah, nous devons avoir 3 heures là, il vire, m'a viré, tout le monde est en bas, il rentrer. Gaz là, qui fait tout le bagage au marché. Si la distribution de gaz n'est pas faite, l'eau n'est pas distribuée tout. Nous devons dire, pour aujourd'hui, mercredi 3 novembre 2021, les gens capables de gros coups de zame qui a chanté dans l'entrée site capital PIA, précisément Matissan ak nan direction nord capitale pays a zone Belay depuis Port-au-Prince. Moi c'est Massia Dovilme pour la Voix de l'Amérique. Merci Massia Dovilme. Chapitre immigration, la police nan Guatemala mette main sous plus passé 50 migrants haïtiens qui étaient cachés en dans un conteneur. Yo t'ap pran direction Mexique. Nous gen Jean-Robert Philippe qui pral ba nou détail sou point ça. Jean-Robert Philippe.
Effectivement, malgré fort autorité mexicaine a fait pour empêcher caravane qui partit depuis notre chapatou là pour aller sous frontière des États-Unis, ça pas empêché haïtien avec l'ordre immigrant a fait fort pour ouest sur capable rentrer sous frontière et c'est ça qui passe exactement que autorité guatémaltèque mettait mes sur un convoi qui t'a cherché rentrer au Mexique pour aller aux États-Unis. La police dans Guatemala a découvert dans un remorque 54 immigrants haïtiens qui ont cherché à traverser au Mexique avec objectif pour entrer aux États-Unis sans document légal. D'après l'agent guatemaltèque, il y a 20 garçons, 20 filles avec 14 mineurs dans le remorque. Deux mondes jeunes arrestations. Pour ça, il y a un rapport avec la caravane qui sortit dans l'État de Chiapas. Le journal mexicain La Jornada rapporté mardi 2 novembre que la caravane a trouvé sur une distance 1000 km à la capitale de Mexico City. D'après nouvelle, en pile parmi participants est tombé malade. De l'autre côté, tentative d'un groupe environ 70 immigrants qui étaient largués koyo dans l'eau pour nager sur Tijuana pour arriver dans San Diego à objectif pour entrer illégalement aux États-Unis, tourné une tragédie dans fin semaine passée d'après correspondant la Voix de l'Amérique là Véronica Villafani. D'après nouvelle, un Mexicain qui a 50 ans mouri noyé dans tentative là et garde-côte sauvé 13 autres. En total hubo 36 personas detenidas y una persona fallecida. Todos son de origen mexicano. D'après consul général mexicain en San Diego, Carlos González Gutiérrez, au total, autorité mette mes sous 36 monde parmi eux, un mineur avec un lot qui mourit. Tout détenu, c'est citoyen mexicain. Service la douane à protection frontière américaine rapatrie 22 parmi eux d'après article 42 loi santé publique américaine qui permet autorité de déporter tout immigrant qui cherche entrer dans pays sans document légal. Adolescent qui a 17 ans retourné au Mexique tout. Patrouille frontalière a enquêté sur incident. D'après un communiqué agent qui n'en poste San Diego Aaron Edker publié lundi. Action ça, c'est un autre exemple tactique droite et gauche, organisation trafiquant utilisée pour renforcer le pouvoir et pour faire plus l'argent. N'a continué de travailler sans prendre souffle pour traîner devant la justice monde qui est responsable de la tragédie. Dans l'année qui passe, il y a eu une augmentation de la quantité d'immigrants qui risquent la vie sous la mer, à bord de pauvre pistache, et puis nager pour arriver sur la plage là, qui est capable de gagner des conséquences tragiques. Conseil général Carlos González Gutiérrez a ajouté que il y a 30 Mexicains qui perdent la vie dans l'année qui passe, parmi eux, 8 mouri noyés. Jean-Robert Philippe, Washington. Il y a 30 migrants mexicanos fallecidos. Merci Jean-Robert Philippe. N'a pas retourné dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. 20 personnes mourir, 8 à l'hôpital, avec environ 30 autres à joindre famille. C'est bilan parcelle autorité haïtienne présenté après naufrage de bateau ça qui t'a fait trajet. Et en sapite Marigot, un reportage Renan Toussaint. 20 morts jusqu'à présent que nous gagnons. Et deuxièmement, gagnons 8 personnes que nous gagnons dans l'hôpital là et qui a pris soin. Et nous continuer recherche et puis il y a plus qu'une trentaine de l'autre monde qui ont même guettant aller joindre famille. Directeur général service maritime et navigation Semana Eric Prévost Junior qui t'a présenté bilan victime naufrage bateau Ecclesias là dans une conférence pour la presse mercredi 3 novembre 2021 en fait qu'on est gouvernement haïtien prend toutes dispositions adéquates pour venir en aide à la famille victime. Le gouvernement, à partir du ministère de l'Intérieur, qui recevra instruction dans le premier ministre pour accompagner avec l'autorité locale et certaines victimes qui dans nos frères. Monsieur Prévost a annoncé un ensemble de mesures administratives pour éviter répétition de nos frères dans la région sud-est pays d'Haïti. Par exemple, Lydie a déjà révoqué 4 représentants d'institutions. Il dit qu'il n'a pas de sens responsabilité. Et puis tout, il suspend le transport maritime en sapite pour River Marigot jusqu'à nouvel ordre. Il y a des décisions que la mairie, ensemble avec Semana, avec la direction de protection civile et toute autorité pour nous camper et trafic là jusqu'à nouvel ordre dans la zone ça, en attendant que nous prenions des décisions. Parce que il y a un bail qui est important, c'est que le trafic Marigot en sapite là sont un trafic qui fait dans la nuit. Et ceci très très tard. C'est-à-dire que le bateau a sorti 9h, 10h du soir pour arriver à 4h, 6h du matin. Malgré le directeur général Semana, Éric Prévost n'est pas en mesure pour révéler la quantité de chrétiens vivants
quitté à bord bateau Ecclesias là, mais information yo fait quoi que bateau ça a été surchargé. Monsieur Prévost dit yo décerné mandat d'amener derrière Justin Ambroise qui c'est amateur bateau hein, pour venir fournir la justice haïtienne détail concernant naufrage ça. Éric Prévost Junior profite rappeler que Semana c'est une institution transversale, lui remercier garde-côte américain, lui dit qu'il était aidé yo, la police haïtienne, délégation départementale sud-est avec ministère intérieur avec collectivité territoriale yo. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et c'est avec dernier reportage ça qu'on a mis fin dans le programme là, on dit que et dossier et Haïti à République dominicaine toujours dans actualité là. Gon dernière déclaration que yon autorité dominicaine fait qui fait connait que question qui gagne rapport avec visa étudiant yo li pa gen aucun rapport entre conflit qui ta gagne ça n'a rien un conflit diplomatique entre président Luis Abinader avec ministre affaires étrangères haïtien docteur Claude Joseph. C'est un dossier que n'a su pour et demain éventuellement nous capable retourner sous lui avec l'autre spécialiste qui connaît question en bien. Merci d'être côté choisi La Voix de l'Amérique l'autre fois encore pour t'informer. Merci Demarat, merci Tony, Jean-Robert Philippe, Renan Toussaint. Moins ou merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience. Moins pralé, m'a quitté on bras papa bon Dieu parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas m'se fou qu'on a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. M'ramasse paquet moi cause habitant pas misé la ville. M'bralé, mais m'a quitté n'a bra papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.